Et sinon, ce week-end, j'ai rencontré un type. Ah. Oui, très mignon, super sympa, on a vachement discuté, tu vois, super feeling. Là, du coup, on se suit sur les réseaux sociaux et j'attends qu'il m'envoie un petit message. Mais, ça fait déjà 5 jours, non? Oui, ça fait déjà 5 jours, oui. Mais bon, j'imagine qu'il devait être occupé ou tu vois. Non, mais par contre, tu vois, ça me donne l'idée, t'as raison. Je vais faire une petite photo, comme ça, ça va réactiver son feed. Okay. Ça va lui donner une petite idée. Alors, attention. Bon, allez. Est-ce qu'il a liké la photo? Oh non! Bon, c'est pas grave, il a pas dû la voir. Demain. Allez! Alors, est-ce qu'il a liké ma photo, lui? Et non! Mais. Il est en ligne et il a pas liké. Pourquoi est-ce qu'il vient pas me parler? Peut-être que je l'encourage en fait. C'est ça. Je vais faire une photo qui va lui donner des idées. C'est ça. Ok, ça c'est pas mal. Attention, je suis cramée. Là, oui. Rayon de soleil, super journée en perspective, comme des envies de sortir. Des idées? Allez, commente, commente. Un commentaire, oui. Une balade en forêt. Mais non, j'ai pas envie de ça, là, Marc. Pff. Un pique-nique? Mais quittez-toi de toute façon, je te connais pas, toi, mais je m'en fous! Jenny, un verre avec nous ce soir en terrasse. Oh, mais oui, bah Jenny, bien sûr, mais excuse-moi, là, j'aspire à d'autres projets. Allez, mais commente! Ouais, bah ouais, carrément, c'est sûr. Et sinon, ça va? C'était bien votre verre en terrasse, là, ce soir? Ouais. Si, si, j'ai vu le message que tu m'as laissé sur Insta, mais... Non, mais du coup, en fait, j'avais du travail, donc... ouais, voilà, finalement, je suis restée à travailler. Mm. Bon, ça marche, on se rappelle, ciao. Du travail, tu parles. J'ai passé ma journée, ma soirée à attendre qu'il me propose un truc. J'ai qu'à commenter une de ses photos. Après tout, ça se fait. On commente les photos, c'est bien. Mais en même temps, il faut que je réussisse à être drôle sans paraître en chien. Je sais. On va commencer par le classique. Ah 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 ah. Je te... J'ai publié. C'est pas possible, je viens d'appuyer sur envoyer, j'ai publié, je te... Non mais c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Non mais là, ça fait ni pas drôle, ni pas en chien, ça fait juste grosse gogole qui a des trop gros pouces. C'est pas possible, bon faut que je supprime, faut que je supprime. On dirait que je suis en train d'écrire « Ah, je t'aime !» Non, mais c'est pas vrai. Allez, je supprime. Eh oui, mais en même temps, ça sert à rien de supprimer. Il va le voir quand même. Oh, c'est pas possible. Bon, on se calme, on se calme. De toute façon, voilà, c'est pas grave. Je vais rectifier, ça se fait de rectifier. C'est... Oui, mais en même temps, si je rectifie, est-ce que ça fait pas genre la meuf? Oui, elle est vachement appliquée, elle a bien réfléchi à tout ça. Oh, stop, arrête de te prendre la tête. Non, il faut pas. Il s'agirait pas de se prendre la tête, bien sûr. Et pourquoi je parle au conditionnel? Je me prends la tête. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il a répondu. Il a répondu. Il a répondu, point d'interrogation. Ah 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 ah. Désolé, j'ai ripé. Ah. Nul. Nul, nul, nul. T'as prévu une soirée schizophrène? Oh, t'occupes, j'ai besoin de toi là, faut que je me rattrape. Viens. Oh. Hop. Ah oui, quand même. Oui, quand même, oui. Allez, tu shootes, tu shootes, tu shootes. C'est parti. Go to the party, hashtag fiesta. Ok, c'est parfait. Bon, impeccable. Du coup, tu préfères quoi? Thé ou tisane? Ah, parce qu'il fait froid là, hein? Ah voilà, je voulais m'acheter ça, mais finalement je crois que je vais changer. Parce que tiens, chope ça, chope ça, chope ça. Et maintenant, rigole. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je simule la story de la soirée du siècle. Ah, vas-y, rigole, rigole, rigole. Ah super, mais ça se va se voir quand on fait une soirée à Scrabble à 4. Mais ça va pas se voir, je vais mettre de la musique. Allez, rigole. Oui, non mais... Ah. Rigole mieux, je te passe. Oui. Café. J'arrive.
Oh oui, merci, merci. Ah, j'en avais trop besoin là. Oh, merci. Bon là, j'y vais, j'ai du boulot. Allez. Oh. Bon, allez, on y retourne. Coucou, je viens de me réveiller, j'espère que vous allez bien. Grosse soirée pour moi, c'était pas facile, là j'ai une... Céline, en fait... Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Mais quoi, je fais une story matinale. Mais t'es maquillée, Céline? Oui, bah oui, je suis maquillée, mais évidemment, bah, je mets toutes les chances de mon côté au cas où il regarde une de mes stories. Bon, excuse-moi, tu peux? Il y en a qui travaillent là. Allez, je recommence. Ah, Paulette, dis-moi, ça avance avec le mec internet là? Non, ça n'avance pas du tout. Attends, c'est bon, moi j'arrête. Excuse-moi, mais ça fait des semaines là que je fais tout. Tu sais ce qui m'a lâché? Une vue sur 10 stories. Une vue. On sait ce que ça veut dire, hein, c'est une vue par hasard. Non, je vais te dire un truc. Entre lui et moi là, mais c'est fini. Entre lui et moi, c'est fini. Attends, entre lui et toi? Oui, bah entre moi et moi-même avec lui. Attends, ouais. Soul. Les gars, aujourd'hui, faut que je vous montre un truc toute la journée. J'arrêtais pas de me plaindre que j'avais froid aux pieds, que j'avais froid aux pieds. Regardez ce que je découvre en enlevant mes chaussures. Eh, c'est normal, ça? Non, mais je vous jure, quoi. Je suis bidon. Mais quoi? Jenny! Jenny, mais c'est pas possible. Jenny, ouais. Il a regardé mes stories. Il a regardé mes stories avec cette gueule-là et ce pied-là. Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est honteux? Je veux dire, ça fait un mois que je poste des photos et des stories en mode bombe, ok? Que je mets tous les plus beaux filtres du monde, que je suis canon, que je fais attention à tout, rien. Et là, aujourd'hui, il regarde la story. Mais c'est pas vrai, c'est pas... Jenny, il m'a envoyé un message par rapport à la story. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Mais tu vois, ben voilà, peut-être que ça m'aide bien qu'il aime les filles naturelles. Ah, tu crois que c'est ça? Ah, mais bien sûr, c'est peut-être ça. Ok, je regarde. Ah d'accord. Quoi? C'est une invitation à jouer à Candy Crush. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est... Oui. Ouais. Oui, là, on laisse tomber, quoi. Ça, c'est... Voilà. C'est même pas une invitation volontaire, c'est toujours des trucs automatiques, ça. C'est... C'est ton icône, son lèvre bleue.